Alors, c'est les tortillas à base de poivrons, tomates et avocats du livre de recettes délicieusement crues. Ici, j'ai utilisé 3 tasses de poivrons rouges coupés en dés, 2 tasses de tomates coupées en dés, un demi-avocat, puis une cuillère à soupe de poudre de psyllium. Dans la vidéo, j'ai fait une petite erreur, j'en ai mis 2 cuillères à soupe, mais ça aurait dû être une cuillère à soupe. Le psyllium, c'est un supplément diététique qui est riche en fibres puis qu'on utilise comme épaississant en alimentation. Fait que vous le passez à votre mélangeur. Si votre mélangeur, son moteur n'est pas assez fort, vous pouvez utiliser le robot culinaire en notant que vous obtenez une texture lisse. Si vous avez un déshydrateur, vous l'étendez sur votre plateau de déshydrateur, à peu près d'une épaisseur, vous faites un cercle à peu près d'une épaisseur d'un huitième de pouce. Si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez utiliser une plaque à cuisson dans laquelle vous allez mettre un papier cuisson dans le fond, puis vous allez le mettre au four à la plus basse température, puis le laisser comme ça déshydrater environ de 4 à 6 heures, dépendamment du four que vous avez. Au déshydrateur, ben moi je les mets au déshydrateur, puis c'est à peu près la même chose, là, entre 4 et 6 heures à 43-50 degrés Celsius que je les mets. Alors, vous voyez, regardez, ça fait comme les cuirs de fruits, sauf que là, c'est un tortillas à base de poivrons et tomates. Puis il est très souple. Vous avez juste à le garnir, puis c'est vite fait quand même pour vos lunchs, puis vos repas à la maison. Fait que vous mettez les garnitures que vous désirez dedans. Allez avec votre imagination et vos goûts. Bon appétit!